partager l'espace de classe. Vous avez partagé l'espace parce que plusieurs chapeaux. Je rajoute mon effet. Ah, c'est bien. Vous étiez sportif dès votre jeune âge ou... Ben oui, en effet, en fait, je pourrais dire que j'ai fait beaucoup de sport jeune. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du plongeon, j'ai fait d'autres choses. C'était pour faire un mauvais coup, l'idée naît de lui. Ah bon? En fait, c'est tu gorgé d'eau, je pense que tu commences à faire ça. Il fait dire un scotch, s'il vous plaît. mais sérieusement, quand tu vois, Charles, la carrière, comment ça a commencé, tout ça, tu as été vraiment de très près lié à son inspiration. Quoi de lui comme athlète, disons? Ben là, c'est sûr. c'est sûr, ça fait un an que j'ai arrêté de le suivre à tous les jours. C'est définitivement quelqu'un de dévoué, comme tout athlète qui se rend à ce niveau-là. Qui aurait joué un rôle important dans votre carrière, par exemple, d'athlète? Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué des rôles? C'est sûr, on a parlé des parents tantôt, mais autres que les parents. Ben, c'est sûr que dans le sens, tous mes entraîneurs que j'ai eus m'ont transféré la passion qu'eux avaient. J'ai eu souvent des entraîneurs qui ont participé à des Jeux olympiques avant ou qui ont participé à des événements de mondiaux, tout genre. Je pense que ça l'a suivi un peu, ils m'ont motivé aussi à me rendre jusqu'à là, puis ils m'ont poussé jusqu'à là. Des entraîneurs marquants comme? On peut dire Jonathan Guimet, on peut dire Marc Gagnon, on peut dire Eric Bédard aussi. C'est trois athlètes olympiques qui m'ont poussé. Mesdames et messieurs, ce soir pour vous, en direct du Japon, nous avons Jonathan Guimet. Des gens tout à l'heure dans le niveau du sport, mais lorsque vous entraînez, j'imagine que vous puisez vos sources d'énergie aussi dans la culture ou dans la musique. Qu'est-ce que vous écoutez? Où vous prenez vos sources d'inspiration culturelle pour vous entraîner, par exemple? Il n'y a rien de mieux qu'écouter une bonne chanson quand tu es stressé, quand tu es anxieux, quand faut que tu penses, quand tu te focuses pour ta prochaine course. La musique fait grand partie de ma vie. On fait des noms. Je pense pas que personne connaît ça. Ben, est-ce qu'il y a des mentors, des athlètes qui ont déjà fait les Jeux olympiques qui vous sont comme qui vous suivent ou qui En fait, moi j'ai la chance de passer avec Charles Amin qui a participé à trois olympiques. Donc ça l'aide un peu. Il nous aide beaucoup puis on est très amis aussi, donc on le regarde souvent aller, puis ça nous aide à progresser là-dedans. Bonsoir, ça me fait plaisir, je suis Nathalie. Merci d'être parmi nous. Prenez place dans notre salon. Gracieuseté de Karine Béret. Merci. On peut passer le micro peut-être à Guillaume. Votre rôle comme représentant des athlètes, vous le voyez comment? C'est que, justement, des fois, on a des entraîneurs. Qu'est-ce qu'un bon entraîneur, Charles? c'est un gros problème personnellement dans ma vie. Ça a toujours été quelque chose sur lequel j'ai porté une attention. Je trouve que c'est un gros facteur de la performance. Charles s'est classé sur une catégorie X de l'âme, on va l'appeler les 20 pauvres. Puis tout de suite après sa sélection pour les Jeux olympiques, les entraîneurs ont suggéré qu'il essaye une nouvelle paire de l'âme pour voir si ça allait aller mieux tout ça. Mais le résultat n'était pas concluant. fait que pendant quand même quelques mois, quelques coupes du monde, ça allait pas super bien. Commencer à avoir un peu de découragement, un peu de Charles, on va se le dire, c'est pas lui qui regarde ses lames vraiment, il connaît pas ce qui se passe, il se contente de patiner. Ce qui est bon aussi, on a les deux opposés pratiquement.
Donc, on va résumer ça à ça. Puis à ce moment-là, ça a dégoulé vers d'autres choses. Puis je pense que ça a bien tourné en bout de ligne. Charles, on peut lui redonner le micro. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il a bien fait? Oui, 100%. Moi, je donne environ 80% de ma médaille. C'est vrai? Oui! Des verres opaques et vous avez des petits cartons ici. Donc, une, vous allez goûter, OK? Vous allez donner ce carton-là à une de ces quatre bières. Allez-y, vous goûtez. Églou, églou. Et c'est gênant, hein? En silence en plus. OK. Des commentaires, c'est bon? Très bon. OK, c'est bon. C'est pas gênant de boire devant tout le monde, hein? Madame, en bas, OK. C'est difficile quand même, hein? C'est pas facile. C'est la première fois que je parle un champion à des Picsous. Bon, c'est bon? On met ça comme ça? Oui, je suis. Ouais. Dana White, pour nous donner les bonnes réponses. Vous pouvez vous asseoir, hein? C'est chez vous. Faites comme chez vous, d'ailleurs. Ça vous appartient, n'est-ce pas? Okay, moi, je mets ça comme les réponses sont comme ça? Oui. Non, c'est la tasse. Tu n'es pas eu celle-là? Non, tu ne peux pas. C'est très bon. J'ai deux de mal, c'est sûr. Ah, c'est bon, ici. Ah! Alors, vous gardez, c'est dommage, vous n'avez plus à avoir une belle beuverie, mais vous allez juste pouvoir prendre celle-là. Cool. Celle-là, vous savez, bon. On peut l'applaudir quand même. J'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'on n'en a pas parlé, qu'est-ce qui est arrivé avec le bouquet que Charles a reçu lors de la remise des médailles à Sochi? Il l'a donné à l'animatrice de France Baudouin. Ouais. Il a donné son bouquet à France Baudouin. Il m'a conduit dans ce matin, je ne vais pas faire avec. J'ai vu ma mère avec le bouquet, j'ai dit non, je n'ai pas donné. Ouais, vous aimeriez ça, hein, pour retourner en arrière. J'aimerais ça, oui. Vous aimeriez ça, retourner en arrière. Le fameux bouquet. Je suis maman de quatre enfants. On voit notre enfant aux Jeux Olympiques. Tout le monde parle de lui. Des années de sacrifice comme mère également. On se sent comment quand ça arrive? C'est trop. Compliqué, je pense. Merci. On vous revient avec ça. Présidente du club de patinage de vitesse des Trois Lacs. Okay. Que Charles Cournoyer soit avec nous ce soir? Bien, disons qu'on a Charles, son papa qui est avec nous, Christian Cournoyer, qui est notre entraîneur-chef au club. Donc, c'est sûr que le lien s'est fait comme ça. Merci beaucoup à la famille Cournoyer! Alors, mesdames et messieurs, nous sommes prêts à vous annoncer les gagnants de l'entente silencieuse. En cette année marquant le 60e anniversaire du musée, l'activité de ce soir viendra s'additionner à une riche histoire institutionnelle et témoigner aussi concrètement de l'affection du public à l'égard d'une composante importante et appréciée de notre dynamique locale et régionale. Merci à Charles d'avoir accepté de s'associer à notre cause de cette soirée. Merci d'y avoir mis autant de cœur et d'énergie. J'adresse des remerciements spéciaux à Chantal, Brigitte, Marie-Josée, Pascal, Karine, Leslie et Claudia, lesquelles forment une punchline extraordinaire en termes d'efficacité, de ténacité et de générosité. La culture
ça, c'est du sport, mais ça en vaut la peine. Merci à vous tous d'y croire et longue vie au musée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une très belle fin de semaine de l'Action de grâce. Au plaisir de vous revoir bientôt au musée régional. Merci. On a un petit cadeau pour Nathalie et Patrick. On déballerait ça un peu plus tard. Moi, beaucoup en la cause. Déjà, j'ai envie de vous dire ceci comme mot de la fin. Vous savez, je suis allée sur votre site Internet puis je cherchais comment terminer une soirée aussi riche. Et puis, j'ai trouvé cette phrase-ci que j'ai envie de partager puis mettre en valeur avec vous. La création de ce musée est le résultat des nombreux efforts de la part de gens passionnés et visionnaires dont les gestes avaient pour but principal de conserver pour les générations futures les traces du passé de la société canadienne-française alors en pleine mutation. Oui, il y a eu des efforts dans le passé pour que voie le jour le musée régional de Vaudreuil-Soulanges, notre musée à tous. Mais il faut continuer, plus que jamais, à s'engager au présent dans la voie de nos prédécesseurs pour que nos enfants, pour que nos petits-enfants puissent à leur tour connaître qui ils sont en comprenant d'où ils viennent. Mon nom est Nathalie Poirier. Ça m'a fait plaisir d'animer cette soirée. Je vous dis à une prochaine. Merci tout le monde. Bonne soirée.